Hello people, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Diamanteka avec un Y. Je te l'écris juste ici pour pas que tu oublies. Alors, si tu recherches des produits qui sont vraiment originaux, qui sont colorés et surtout qui ne sont pas chers, reste avec moi. Je te montre ça juste après mon intro. C'est parti. Alors, comme je vous l'expliquais, le site Femme de Luxe pour moi est juste génial. Et ce qui est bien, c'est que c'est un site anglais. Donc, vous vous faites livrer assez rapidement chez vous. Entre 7 à 14 jours. Moi, personnellement, ça arrive en 10 jours. Donc voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le premier article que j'ai vu sur le mannequin. Juste là, voilà. Quand je l'ai vu sur le mannequin, j'ai bien aimé la couleur. Je me suis dit, bah écoute, je pense que ça va m'aller. Mais honnêtement, quand c'est arrivé, c'était encore mieux que ce que je pensais. Parce que du coup, c'est pas jaune-orangé comme sur le mannequin. Mais en fait, finalement, c'est vraiment du vrai orange. Ça fait vraiment, voilà, tenue de prisonnier. C'est vraiment, franchement, pour moi, rien à dire. Vous avez là une première poche au niveau de la salopette. Et c'est vraiment une vraie poche. Vous pouvez mettre vos clés à l'intérieur. Vous avez également des poches sur le côté. Et des poches également au niveau du bas. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une matière légère. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, partir à la plage, vous pouvez mettre votre maillot de bain en dessous. Après, ça dépend de vous et de vos styles. Vous pouvez le porter avec un crop top ou un t-shirt. Et vous pouvez également le mettre avec des petites baskets. Honnêtement, j'aime trop cette tenue. Alors, la seconde tenue, honnêtement, ça a été pour moi un coup de cœur direct. Dès que j'ai vu sur le mannequin, je trouve que la mannequin le porte vraiment super bien. Je suis restée dans les mêmes tons parce que honnêtement, je trouve que le orange et le noir sur les peaux foncées comme moi ou les peaux bronzées, je trouve que ça. Cette tenue. Donc là, vous avez le bas. Je l'ai pris également en M. Vous avez des poches qui sont là. Et la matière, en fait, c'est un peu la même matière que le premier article. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on disait, ouais, les jogging sacs poubelles. Parce que dès que vous marchez, ça fait ça. Vous entendez? Le haut. Vous avez un petit bouton. Vous pouvez le refermer jusqu'à tout en haut. Vous avez également ici la petite chaîne. Et la couleur, franchement, elle est juste au top du top. L'article est vraiment comme sur la photo. Honnêtement, je pense que vous allez vraiment aimer. Franchement, moi, personnellement, j'aime trop. Avec une petite paire de talons, je trouve que ça passe. Donc voilà pour la deuxième tenue. On va maintenant passer à la troisième. Je me suis pris ce petit bas. Je vais vous montrer d'abord sur le mannequin ce que ça donne. Je l'ai vu sur le mannequin, je me suis dit, encore une fois, il me la faut. Ce site est fait pour moi. Le petit pantalon cargo. Vous avez les poches également qui sont là. Vous avez des poches arrière. Et ce que j'aime bien, honnêtement, c'est des vraies poches. Moi, ça me saoule les trucs. Tu les reçois, tu crois que c'est une vraie poche. Tu veux mettre ta main et au final, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas une poche. Donc là, franchement, vous avez les poches arrière qui sont là. Vous avez des poches également sur le côté. Juste incroyable. Comme la tenue précédente, petite paire de talons, petite basket. Honnêtement, ça, c'est des tenues simples et. Ensuite, on passe à la troisième tenue. Je me suis pris, voilà, un t-shirt assez simple. Vous pouvez le mettre avec un petit jean, un petit pantalon, un petit legging. Franchement, vous choisissez, c'est super facile à porter. Je trouve que honnêtement, le t-shirt, il fait tout. Mannequin, ça donne ça. Elle le porte déjà très très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, en fait, c'est la même dame. La dame sur le site, elle est là tout le temps. Elle est sa propre mannequin. Franchement, au début, j'étais choquée, je me suis dit, elle abuse. Mais honnêtement, elle porte super bien les articles. Et honnêtement, quand ils arrivent, ils sont sur son site. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Un petit t-shirt simple pour descendre en bas de chez vous ou même aller dans une petite soirée. Honnêtement, génial. Top du top. Encore une fois, je mets 5. Rien à dire. Donc, maintenant, on va passer à la tenue suivante. J'ai repris encore une fois un t-shirt. Love Yourself. Voilà, c'est voilà, un vrai t-shirt de fille. Self love, tu vois ce que je veux dire. Donc honnêtement, super simple. Et par contre, par rapport à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, il est vraiment très très élastique. Donc si vous êtes, je vais vous montrer sur le mannequin, voilà ce que ça donne. Regardez. Et voilà, soit vous le portez en t-shirt normal, basique. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. J'aime bien comme ça et je vais me mettre avec le pantalon noir cargo que je vous ai montré tout à l'heure. Honnêtement, je trouve que comme ça, c'est juste parfait. Passer à la prochaine tenue. Voilà des articles street, mais j'ai pris un peu, voilà, un petit peu chic également. Je trouve que cette tenue est vraiment bien parce que c'est du satin. Mettre, voilà, quand vous allez à un entretien d'embauche,
quand vous sortez, allez voir votre chérie, vous voulez vous faire un petit peu belle, un petit peu mignonne. Je trouve que ce haut, pour aller même un petit resto, même entre filles, des trucs voilà, simples, il est juste efficace. Regardez. Vous avez la petite ceinture derrière. Vous pouvez faire comme vous voulez la passer par devant. C'est une matière vraiment légère. Il y a le vent qui passe à l'intérieur quand il fait chaud, honnêtement. Je pense que cette tenue, elle est juste top. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tenue suivante. Je vous montre ce que ça donne sur le mannequin. Je me suis dit, il y a des jours, voilà, tu sais pas comment t'habiller. Tu te dis, ouais, j'ai la flemme, je sais pas comment m'habiller, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup les ensembles pour ça. Donc, j'ai décidé de prendre cet ensemble. Je l'ai pris en noir. Et comme je vous l'expliquais, dans ce site, vous avez de nombreuses couleurs. Donc, dites-vous, à chaque fois que je vous propose un article, en général, il est en 3 ou 4 couleurs. Vous avez le leggings, vraiment élastique. Vous avez le petit haut avec la petite cintrée au milieu. En fait, la matière, elle est entre deux. C'est pas trop léger, pas trop lourd. Un petit peu froid, il y a un petit peu de vent. Je trouve que cette tenue, elle est juste sublime. Moi, personnellement, je vais la mettre avec une petite paire de baskets. Je trouve que ça, c'est juste. Bah, simple et efficace, j'aime bien les trucs simples et efficaces. On va passer à une nouvelle tenue. Je vous montre ce que ça donne sur le mannequin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quand je l'ai vue sur le mannequin, je me suis dit, cette tenue, il me la faut pour l'été. Satin, c'est léger. Et je trouve, voilà, franchement, je trouve qu'elle fait assez classe. Honnêtement, il y a des jours où on se lève, on se dit, aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en bombe. Bah, je trouve que cette tenue, c'est the tenue pour ça. Matière, encore une fois, très légère. C'est exactement comme sur le site, rien à dire. Petite ceinture au milieu, elle est juste efficace, incroyablement efficace. Juste le top du top. Encore une fois, 5 sur 5. Depuis tout à l'heure, je ne fais que dire 5 sur 5, mais honnêtement, je dis 5 sur 5 pour de vrai. Ce site, pour moi, il reste avec moi. Je reste abonné à ce site, je le suis, tout ce que vous voulez, mais ce site. J'ai plus les mots. Donc, on reste dans les combis. Cette petite combi. La couleur, moi j'ai du mal avec des couleurs, hein. Mais je crois que ça c'est camel ou marron. Bon, vous allez regarder sur le mannequin, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je l'ai vu sur le mannequin, je me suis dit, j'ai pas les mots. Et c'est arrivé, honnêtement, encore une fois, j'ai pas les mots. Voilà, petite combinaison. Par contre, cette fois-ci, là, vous n'avez pas de ceinture. Bien taillée. Le seul petit problème, c'est qu'au niveau du bas, je trouve que c'est vraiment serré. Genre, on voit un peu le V, je sais pas, voilà. Moi, c'est le truc qui me dérange. Donc, je pense que celle-ci, par contre, je la recommande en M parce que je l'ai pris en S. Donc, je vais la retourner celle-ci. Je pense que voilà, pour la prendre en M, je pense que ce sera mieux. Tenue suivante. Voilà, je me suis dit que je voulais une tenue qui pète. Voilà, une tenue d'été, quand même assez osée. Voilà, faut se dire les choses, elle est assez osée. Je ne pense pas que je la mette sur Paname parce que voilà, on connaît tous comment les gens sont ici. Donc, je pense que c'est plus une tenue que je vais mettre par exemple en vacances, à côté de la plage, quelque chose comme ça. T'es XXXL, un grand décolleté. Vous n'avez pas beaucoup de seins. Je trouve que ça, je pense que ça peut passer. Moi, comme j'ai quand même une poitrine, je trouve que c'est pour ça que ça fait trop. En gros, si vous sortez avec ça, les gens ils tombent par terre, ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas que c'est une tenue qu'on puisse porter quoi, là, dans la vie de tous les jours, bon, à part les filles qui sont vraiment très fines. Et, je la trouve juste magnifique également. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Honnêtement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like. N'oubliez pas d'activer la cloche, ok? Très important, vous allez être au courant de mes prochaines actualités. Stay tuned, people, and see you the next time. Bye bye.